t'en ramener un seul. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, on est lundi 10 octobre. Il est 8h27 et on n'est pas loin de l'école d'Inaya parce qu'on l'a déposée à l'école. Je suis accompagnée de Laina Rose puisqu'elle est encore pas très bien et de Sohan. Et je vous explique. Là, je vais vite fait aux courses. J'ai des trucs importants à prendre, genre pour le fil, croquettes et tout ça. Et après, moi, j'ai une réunion pour le Thermomix. Du coup, en fait, je vous explique. J'ai pas du tout d'essence dans ma voiture. C'est une galère en journée en ce moment pour aller mettre. En tout cas, chez nous, il y a des fils, je vous dis pas. Et donc Ali devait y aller hier soir en fait, me mettre l'essence. Et il a eu grave la flemme. Et du coup je lui dis bah écoute en fait tu vas être mon chauffeur hein, parce que là j'ai pas trop le choix. Moi je me suis engagée à y aller. Et du coup ce qui va se passer c'est qu'on va aux courses ensemble. Après moi je vais, enfin il va m'accompagner à ma réunion. Pendant que je suis à ma réunion il va aller acheter 2-3 bricoles dont il a besoin. Et après il revient me récupérer et on récupère Inaya. Donc lui il va être accompagné de Laina et Sohan. Il m'a dit je mettrai Laina dans le caddie pour pas qu'elle marche longtemps. Hein mon bébé? Mais en vrai, ça a l'air d'aller. Enfin, c'est petit à petit, on va dire. Je pense qu'encore une bonne journée de repos et on sera bien. Du moins, je l'espère en tout cas. J'espère que vous, ça va. Le matin fait frais. Hein. Moi, je ne sors pas le matin de base. Et il fait froid. Et d'ailleurs, je me suis coupé les cheveux hier. Et en fait, hier, ça se voyait pas du tout. Parce que mes cheveux ils étaient genre vraiment gras et tout, en fait. Et du coup, c'est pour ça, je pense. Oui, j'ai fait des mèches. Et en fait, là, ça se voit beaucoup. Ça donne du volume. Enfin, ça se voit beaucoup. Tout est relatif, mais ça donne grave du volume, donc en fait je suis contente. Pour vous dire, même Ali il a remarqué, or que il remarque pas ce genre de détails d'habitude. Bref, je vous ramène avec moi pour cette nouvelle journée, c'est parti, let's go. Est-ce que ça va mieux? Bon, on est arrivé à Carrefour, là on fait un 2-2 comme je vous ai dit. Je peux vite être en retard s'il y a des bouchons, donc on essaie vraiment d'aller au plus vite. Oui mon amour, Laina est sa meilleure vie pour un enfant malade. Il était là, comment ça te fait que j'ai avancé du temps? Arrête. Ah, j'ai avancé du temps. Mon amour, tu fais des courses? Bon là on a bien avancé en vrai, c'est bien le temps. On va prendre les yaourts pour les petits. Bon du coup là les courses franchement c'est 3 fois rien et ça fait 50 balles, ça monte trop trop vite. Hein. Pour moi le caddie il est vide, on a vraiment pris des trucs en fait pour le chat et de base on était parti pour ça. Finalement il n'y avait plus d'air pour les enfants, fallait refaire le plein des pâtes. On a repris un repas comme ça pour Sohan parce qu'on en a plus. Et ça pour dépanner c'est vraiment chouette. On a pris aussi des petites briques de lait, je vous en avais parlé une fois, mais le soir quand vraiment j'en peux plus, Ali prend le lait. Et des pizzas surgelées pour ce midi. Mais franchement ça chiffre hyper vite, c'est plus du tout ce que c'était. Ouais mais il y a grave du monde hein. Donc tout ça là c'est pour mettre de l'essence. Enfin mais non c'est chaud en fait. Il n'y aura pas d'abus tu vois parce que genre j'ai vu, il y a des vidéos. Tout ça pour l'essence, ouais. Non c'est chaud. Il y a des vidéos. Un autre produit. On peut gagner un concours. Ouais. Donc j'espère que vous aspirez tous à gagner ce concours. Là je repars de l'agence. La réunion elle est pas terminée mais il faut vraiment que j'y aille parce que je récupère Inaya à l'école. Et qu'est-ce que j'allais vous dire, franchement ça s'est grave bien passé, il y a des nouvelles offres hyper intéressantes, je vais vous en reparler tout à l'heure. Et d'ailleurs ne sait-on jamais, s'il y en a qui sont intéressés pour devenir conseillère Thermomix, n'hésitez pas à me contacter et on fera ça ensemble. Mais il y a beaucoup d'opportunités, c'est hyper intéressant, l'ambiance elle est top. Après vous pouvez être conseillère peu importe où vous vivez, il n'y a pas de souci. Mais si jamais il y a des filles du 91, on pourrait être potentiellement de la même agence. Ça pourrait être hyper sympa d'ailleurs de vous rencontrer aussi. Du coup, écoutez, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, sur Insta en privé et même par mail. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Dans l'objet, mettez Thermomix, comme ça je saurai directement de quoi ça parle. Et de toute façon, je reste très active pour tout ça. Donc écoutez, là je récupère Inaya et puis je vous retrouve. Eh oui. Avec des lunettes. Ah ouais. Vas-y, je la mets au four direct. Il graille, mais il a trop faim. Il n'a pas compris. Thank you.
je vous retrouve. Les enfants sont partis à l'école. Laïna, elle est retournée cet après-midi parce qu'elle allait beaucoup mieux, alhamdoulilah. Regardez qui est avec moi. Sohan, tu dis bonjour, mon amour. Avec tous nos vêtements en train de sécher derrière. Ouh là 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 là. Mon bébé, il est fatigué, en fait. Il est fatigué. Mais vu qu'il a fait une sieste dans la voiture, je ne sais pas s'il va redormir. Tu dis coucou, mon amour. Oui. Il passe sa vie à jouer à côté des tinecos. Bref, là, Ali est partie accompagner les enfants. Alors aujourd'hui, il commence tôt, ce qui fait que je vais devoir aller récupérer les filles avec Sohan. J'aurais aimé qu'il fasse une petite sieste, du coup, pas trop tard. Sinon, je vais devoir le réveiller pour récupérer les filles. Et j'aime pas réveiller Sohan. Enfin, j'aime réveiller aucun de mes enfants. Mais Inaya et Laïna, en fait, avec l'école, on n'a pas trop le choix. Par contre, Sohan, ça me pique parce que c'est un bébé, quoi. Il veut juste se mettre debout et marcher, mon petit chat. Donc là, je vais juste ranger un petit peu. Vous voyez, il y a des trucs qui traînent un peu partout. Je vais ranger un petit peu. Je vais essayer de mettre Sohan au dodo. Peut-être qu'il va aller au dodo. Tu vas faire dodo, mon amour? Non. Est-ce que tu vas faire dodo? Tu vas aller faire dodo? À bonne nuit, Mimi. À demain. Non, il ne fera pas dodo. Tu veux te regarder? Tu dis à bonne nuit. Je vais faire un gros dodo. Tu fais, Sohan, tu fais, tu... Attends, mon amour. Oui, montre comment tu fais. Tu montres? Je fonds quand tu fais ça, c'est trop mignon. J'ai couché Sohan, ça fait à peu près 40 minutes. Et là, pour vous situer, il est 15h. Moi, du coup, je me suis mise sur le montage. Et là, j'ai terminé de monter le début de vidéo. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre un petit thé et profiter vraiment de me poser parce qu'il me reste juste une petite heure tranquille. Après, je vais devoir réveiller Sohan s'il n'est pas réveillé et aller récupérer les filles. Je vais me faire un petit thé. Donc, moi, mon thé, en fait, c'est celui de l'île Maurice. C'est la marque Bois Chéri. En fait, je vous en parle vraiment tout le temps, mais c'est parce que je vous jure, j'en suis fan. C'est un thé noir à la vanille qui se boit avec du lait. Alors, c'est très très simple. On a soit des formats comme ça, mais la plupart du temps, c'est pas ce format qu'on a, c'est le format vrac en fait. Le format vrac, je le fais dans une petite casserole, je mets de l'eau, je fais bouillir le petit thé et après je rajoute du lait et je passe tout. Je sais plus comment ça s'appelle le truc pour filtrer, mais je passe tout à ça et puis c'est réglé. Mais là, du coup, quand j'ai des petites, quand j'ai des petits formats individuels comme ça, je peux le faire comme un thé basique et juste je rajoute du lait. Donc bref, tout ça pour dire, je suis contente d'avoir ce petit moment que pour moi, je vous jure, ça fait trop trop du bien d'avoir un moment dans la journée où on se pose. Autrement, on est aussi passé en pharmacie pour reprendre du Doliprane. C'était plus que nécessaire. Puis écoutez, voilà, je vais prendre un petit temps pour moi et on se retrouve. Mon amour. Oh là là. Mais il faut se réveiller, mon gâté. Je sais. On doit aller chercher tes soeurs à l'école, mon cœur. Nuit, nuit. T'es pas content. Coucou, toutou. Qu'est-ce que tu es beau, hein? Ah, tu veux aller dans le froid par terre déjà? Ah. Oui. Attends, on va mettre les chaussettes, monsieur. Regarde. On va mettre les petites chaussettes.
On va mettre le manteau. Et après, on va aller chercher Inaya, Lena Rose. Et après, on rentre à la maison. Et il n'y a plus personne qui t'embête. Après, on te laisse tranquille. D'accord, mon chaton? D'accord, mon chaton, après, on te laisse tranquille, mon bébé. T'es fatigué. Je sais, je sais, je sais. Loulou, regarde, regarde, regarde. Oh, coucou! Coucou, regarde comme t'es trop beau. Waouh! Magnifique. Magnifique. Dis coucou. J'ai dodo, j'ai dodo, j'ai dodo, 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 j'ai dodo, j'ai dodo. J'ai dodo. Coucou, dis coucou petit gâchon. Mais c'est toi. Oh. Lena Rose. Mmh. Est-ce que ça va mon dodo? Mmh. Oh, elle est où? Elle est rue KO, donc je sais pas ce qui se passe. En fait, elle était vraiment bien. Fin de matinée, etc. Elle était au top. Pas de fièvre et tout. Non, en vrai, ça allait. Lena, ça a été aujourd'hui? Oui, j'ai juste un peu la douleur au pied. Elle s'est fait mal, ouais. Mets-toi du côté de Lena, ça me fait trop peur. Ouais, parce que je commence à tomber. Je vois Inaya, elle arrive, je vois elle boite. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? On rentre pas à la maison tout de suite. On va juste prendre un petit goûter. Et après, on va rentrer. Swan, là, il est tranquille, il s'est réveillé doucement. Mais tout à l'heure, il avait trop envie de dormir encore. Tout à l'heure, j'aurais pu dire, viens, on va au parc. Mais sauf que, regarde, là, j'ai la douleur que j'ai au pied et j'ai trop mal. Tu veux voir? Non, oui. Hop. Mon mal a 10 mois. Non, mais ça y est, ça va prendre ça. Chante où il parle? Je vous retrouve pour la recette du jour. Donc comme d'hab, je vais vous balancer les ingrédients. Alors là pour le coup c'est une recette que je vais faire au Thermomix. On me dit qu'en tout j'en ai pour 35 minutes. Donc ça c'est plutôt chouette. Alors là au niveau des légumes je n'ai absolument pas tout. Donc je vais aviser, je vais regarder au niveau des quantités. Et je vais peut-être rajouter une tomate. Voilà, j'ai des tomates à terminer. Donc je pense que je vais faire ça. Donc écoutez, c'est parti. Sohan, t'as fait les bêtises? Non, 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 t'as fait les bêtises? C'est toi qui as fait ça? Ah bon? Toute sa vie, il allume cet aspirobot et après il vient se cacher. Bah vas-y mon chat! Faut assumer ce qu'on fait. Et là il a trop peur, là s'il pouvait me grimper sur la tête, je vous jure il le ferait. Qu'est-ce que t'as fait? Mon amour!
Qu'est-ce que t'as fait? Oui, mon bébé. Où tu vas? Où tu grimpes? Où tu grimpes? T'as fait les bêtises? Voilà pour ce qui est du petit velouté de légumes. Là, il y en a encore. Même pour demain midi, à mon avis, il va en rester un peu. Du coup, moi, j'ai rajouté mon petit kiri. Et là, on va aller dîner. Je suis un peu en retard aujourd'hui, il est 19h34. Et généralement, c'est l'heure où je couche les enfants. Bon, les filles, il est temps de vous retrouver dans le confessionnal pour cette fin de vidéo. Mais ne partez pas maintenant, attendez encore quelques minutes. Alors, pour celles qui m'ont dit, je suis désolée de vous parler de ça à chaque fois d'ailleurs, mais je vous jure, c'est trop intéressant. En fait, c'est un délire le Thermomix. Et pour celles qui m'ont dit qu'elles étaient intéressées, je voulais absolument vous parler de l'offre du coup qu'il y a là en ce moment, parce qu'elle est trop trop bien. Alors, en ce moment, en fait, si vous achetez le Thermomix, vous avez un éplucheur et un découpe-minute. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en gros, ça veut dire que vous faites absolument rien, quoi. Ça épluche et ça, coupe, vos légumes, c'est trop trop bien. La valeur, je crois que c'est 134 €. De toute façon, je vous mettrai une affiche quelque part pour que vous ayez un visuel. Et vous avez toujours le plusieurs fois sans frais, donc ça va jusqu'à 4 fois. Ou si vous voulez payer en plus encore, et ben c'est faisable. Il y a des facilités de paiement. Si jamais vous le prenez maintenant, sachez que vous commencerez à payer uniquement à partir de janvier. Donc ça, c'est plutôt chouette. Si vous le voulez maintenant, mais que vous ne pouvez pas payer tout de suite. Après, ça dépend des mensualités et tout que vous voulez. Mais en vrai, il y a grave des facilités de paiement. Et c'est plutôt chouette parce que c'est vrai que ça a un coût, on va pas se mentir. Mais malgré que ça a un coût, pour moi en tout cas, dans l'utilité que j'en fais au quotidien, je sais que je vais le rentabiliser parce que... franchement, c'est tous les jours que je l'utilise. C'est vraiment tous les jours. Plein de gens qui me disaient que c'est trop bien, c'est un gain de temps, ça facilite la vie et tout. Mais avant de tester réellement, je ne savais pas. Et les filles, il n'y a pas que ça. Je voulais également vous dire, s'il y en a qui sont intéressés pour devenir conseillère Thermomix, c'est-à-dire arrondir un petit peu les fins de mois, etc., eh ben, n'hésitez pas à me dire. Il faut savoir que le Thermomix, à l'heure actuelle, il se vend très très bien. Que malgré son prix, en fait, il y a énormément de personnes qui sont intéressées. Mais c'est parce que c'est un produit qui a un peu plus rien à prouver. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On n'a que des bons échos dessus. Toutes les personnes qui le testent, eh ben, ils le kiffent en fait, ils l'adorent. Et du coup, ça se vend vraiment très très bien. Donc si ça vous intéresse de devenir conseillère, n'hésitez pas à me dire, à me contacter. Donc je vous dis, hein, il y a mon mail en barre d'infos, par Instagram également, en commentaire, peu importe. Moi, je ferai en sorte de vous recontacter, de vous appeler pour qu'on en discute et tout. En fait, vous travaillez vraiment comme vous avez envie de faire, vous travaillez de chez vous. De temps en temps, nous, il y a des opérations en agence. On peut y aller comme on peut ne pas y aller, il n'y a aucune obligation. Et en soi, il faut se dire que vous n'avez pas d'engagement dans le sens où vous êtes conseillère, donc vous pouvez essayer. Et si vraiment ça ne vous plaît pas, vous arrêtez quoi. Il n'y a rien derrière, vous ne perdez rien. En fait, vous avez juste tout à gagner. Et je sais qu'il y a des personnes, des mamans, etc., qui sont à la maison, qu'ils aimeraient peut-être arrondir un peu les fins de mois, mais qu'ils n'ont pas envie de travailler à l'extérieur pour pouvoir justement être avec leurs enfants. Et je comprends parce que c'est moi-même un choix que j'ai fait du coup. Et bah là, c'est une très bonne alternative. Ça vous permet de ramener un peu d'argent tout en restant à la maison. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, moi, je vais m'arrêter ici. Sachez juste que mon gros secret, qui abuse, mon secret, il sera dévoilé très prochainement. Cette semaine, vous saurez tout et vous saurez pourquoi je ne vous l'ai pas dit, même si j'avoue que j'en ai vraiment marre de vous mentir, parce qu'il y a plein de trucs que j'aurais aimé partager avec vous en amont, en fait, comme j'aurais fait de base, sauf que je ne peux pas. Mais c'est vraiment pas pour une mauvaise raison, c'est vraiment pour quelque chose de positif. Vous verrez, c'est quelque chose de cool et j'ai pas envie de tout gâcher au dernier moment. Donc vous le saurez très très bientôt, j'espère. En tout cas, s'il n'y a pas de soucis, vous devrez le savoir très très bientôt, Inch'Allah. Mais j'ai vraiment, j'en ai marre de vous mentir, parce que j'aime trop tout partager, et vu que c'est quelque chose de positif, j'ai envie de vous partager. Bref, voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à très très vite.